Ça va être horrible. Ah! Non, mais qu'est-ce que tu fous? Arrête ça tout de suite! Cours! Je peux pas, je boite. Je cours là, je vous jure. Je sais pas où je vais. Ah mon dieu! Hein? C'est quoi ce bordel? Quoi? Lumière divine! Je m'en fous, je lis pas les papiers, rien à foutre! Pourquoi devons-nous recourir à ce monde violent? Détestes-tu Dieu? Détestes-tu ce monde? Savez-vous ce que Dieu a dit à Moïse? Ouais, Dieu a dit à Moïse. Je viens en paix! Je veux une cachette! Évidemment, c'est fermé! Nous ne pouvons pas seulement suivre l'exemple de Jésus. J'ai laissé une feuille de papier sur le chemin, mais c'est pas bien méchant, je pense. Hein? On s'en fout, non? Moi, je m'en fous. Perso, je veux pas savoir. Double verrou! C'est ouf quand même, hein? Oh merde! Oh là là, mais où est-ce qu'on va? Dans une cave! Attends. C'est ma femme. Hein? What? La vérité de Dieu est ici. Rejoins-nous. Y a des gens dans les cages. Oh là là. Ah, une clé. Attends, une clé. Quoi faire? Y a rien. Faut que j'aille par là. Mettez à nu ce qu'elle garderait caché. Simplifiez ce qu'elle comprendrait. Mais attends, mais il y a une femme dans la cage, faut la libérer peut-être. Entre en moi, Seigneur, je t'en prie. Je ne dois pas connaître le chemin. Toi seul dois le connaître. Je vais m'aider. Qu'est-ce que je fous? Pourquoi je me roule par terre? Oh, un bandage, on s'en prend. Merde! Vite! Faut que je libère ma femme! Bloqué! C'est par ici! Y'a rien d'autre, y'a pas de pile de trucs. Se cacher. C'est lui le gros porc? Ah ouais, ok. Laisse ma femme tranquille, hein! Merde. Attends, c'est là que ça se passe? Je vois rien! Wesh, il y a du monde ici. Ma femme! J'ai vu sauter par la fenêtre! Mon dieu, Blake! Oh ouais, c'est elle! Non! Qu'est-ce qui se passe? Elle a réussi à leur échapper, elle est trop forte! Il faut partir! Ça va, on a fini le jeu, on est sauvés! Cours, bordel! J'ai retrouvé ma femme! J'ai fini le jeu, non? Où est-ce qu'on va? N'importe où, mais restons pas ici. Le gros porc! Vite! Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'il y a? Mon ventre! Oh, ils m'ont injecté une bête maudite dans le vide ou quoi? Qui va pas. Merde! Oh, on se tient par la main, c'est trop mignon! Bah, faut courir, chérie, là! On n'est pas bien. Je dois m'arrêter.
J'ai juste besoin. Oh, mon Dieu. Et en train de mourir. De merde, Lynn. C'est vraiment le moment, quoi. Il nous pourchasse. Je croyais que t'étais mort. Quand t'es tombé, je croyais qu'on était tous morts. Tout va bien. Je suis là. On va sortir d'ici, ok? Ok. Oh non. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Ça, je peux pas en parler. Bah, ils l'ont violé. Je t'en prie, Blake. Ne me pose pas de questions. Ils arrivent. Ils arrivent. Oh! Allez, il faut courir là, on peut pas rester au ralenti. Oh là là, cette lenteur. On dirait une tortue. Quoi? Je l'ai examiné moi-même. J'en sais rien. Il est fou. Ils sont tous tarés. Lynn, je t'en prie. Blake, elle a des contractions. Est-ce que t'es enceinte? Qu'est-ce qui se passe? Super pour apprendre que je vais être papa, quoi. Cet ah ouais, tuez-les. Bon, allez, je pense qu'il vaut mieux qu'on se barre. Il va l'écraser, mon fœtus. Oh mon Dieu. Oh, allez-vous-en. Nous allons être très doux. Je jure devant Dieu que le premier qui me touche, lui crève les yeux. D'accord. Dieu veut l'enfant. Dieu veut l'enfant. Mais oui. Dieu veut l'enfant. Non. Mais qu'est-ce que vous lui faites? Lâchez-la. Non. On dirait qu'ils sont en train d'essayer de la manger, c'est dégueulasse. Et qui me tient là? Lâchez-moi. Je comprends rien. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, elle lui a fait comme dans Game of Thrones quand on lui enfonce les yeux dans l'orbite. Dégueulasse. C'est charmant ces bruits, vraiment. C'est reposant. Tout va bien, petit. Qu'est-ce que c'est que cette bête qui me mange la jambe là? Oh mon Dieu, merde! Qu'est-ce qu'elle lui fait? Elle la lèche? Je veux partager mon amour avec le père. Ouais, elle c'est Satan quoi. Enfin, une dévouée de Satan et les autres c'est les dévoués de Dieu. Dieu ne t'aime pas. Hein? Pas comme je t'aime. Oh Dieu! Qu'est-ce que tu fais, c'est dégueulasse! Oui, mon amour. Ah. Oh! Petite mère est là. Petite mère? Je pense qu'on se reverra. Non, je pense pas, non. Maintenant. Tu peux t'en aller, merci. D'accord. Ok. Elle est une info. On peut rien y faire. Ah là, je suis full MST là. C'était vraiment pas. Pas le pied. Oh. Mon Dieu. Oh Seigneur. Mais elle est passée où, bordel? Ils les ont appelés hérétiques. Ils ont appelé Lynn mère. Mère? Et y'a pas que la secte. Y'a pas que la secte. Y'a deux camps. Il y a deux camps. Les chrétiens et autre chose. Les chrétiens et autre chose. Et j'ai plus de piles et j'en ai pas trouvé. Alors, quel est mon objectif maintenant que j'ai perdu Comment ma femme? Fais pour sortir d'ici? Trouver un moyen de quitter cet endroit. Excellent. Oh, un bordage. Oui, non, mais j'en ai qu'un. Bon, ici, bah, on doit être chez les hérétiques, hein. Si je ne m'abuse. Je peux me cacher en m'accroupissant sous l'eau. Oh oui! Oh oui, je bois la tasse! Ah, mais je vois plus rien! Secoue ta tête! Ah, mais attends, mais. Ah! D'accord. C'est pas où j'étais arrivée avec Chape?
comment je peux faire. Ça fait un peu beaucoup peur. Comment je rentre dedans ? Ok. Attends, mais... Il est dans l'eau, là, le mec. Je vois rien. Ah, une pile. Nice. C'est la première que je trouve. Oh, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un dans le lit. Horrible. Il y a quelqu'un là, non? Je sais pas si c'est le meilleur moment de recharger ma pile. Je sais pas trop où je dois aller. Oh, j'ai raté le bandage dans la maison, merde! Qu'est-ce que... Je rêve. Où j'ai perdu la tête? Où on est? Je vois rien, moi, perso. D'accord, tout me semble hyper logique dans ce jeu. Ok, je suis dans une salle de classe. C'est vraiment normal, enfin, je veux dire... Est-ce qu'il y a des piles, au moins? Hein, ça m'arrangerait bien quand même. Comment on sort d'ici? Par cette porte peut-être. Qu'est-ce que je fais à la porte? Je la touche. Il veut pas ouvrir la porte! Cette porte-ci alors. La classe de musique. Ah! Je suis désolé de devoir faire ça. Tu aurais dû m'aimer. Tu aurais dû m'aider. Bon sang, pardonne-moi, je ne sais pas quoi faire. Je suis tellement désolée. Mais je comprends pas trop qui est cette Jessica. Jessica ? Eileen ? C'est une amie à nous, quoi. Quand nous étions... La classe de musique ? La classe de musique... Mais si, mais bien sûr, la classe de musique. Je suis de retour en quatrième. Je suis de retour en quatrième. Ça pourrait pas aller plus mal. Non, vraiment, on a dû se prendre un bon coup sur la tête. Un point inimaginable. Et là, on pouvait pas ? Non, hein, évidemment. Bah, c'est par ici que ça se passe. Et évidemment, on peut pas. Tout va bien. Tout ne va pas bien, il y a quelqu'un ! Il y a quelqu'un ! Ouvre-toi, bordel, y a pas des portes! Il m'a pas vu. Cherche porte! Porte! Non, mais putain, une porte! Ah! Il me suit ou pas? J'ai pas l'impression. Y'a pas de pile, y'a rien dans cette foutue... Un bandage! J'ai plus de bandage que de pile, c'est mauvais signe, moi, je pense. Zone accès réservée au personnel. Il est gentil ou il est méchant, d'après vous? D'être à peu près gentil.
Je veux la pile, je suis bloquée par la chaise. Ok. T'es gentil? Ah bah il est parti. Bah il était gentil en fait. Bon bah sortons d'ici. Oh, oh là, cette violence d'ouverture de porte, calme ta joie. Putain mais il neige. Fous ta caméra. Je sais pas où je vais. Je vois rien. À l'aide, au secours, je suis bloquée dans une école. Je vais mourir dans le... Ah non, la sortie, voilà. Je vais mourir dans le blizzard. Ah. Mais oui, mais bien sûr. Et j'ai encore perdu mes lunettes. C'est vous, pas vrai? L'étranger. L'œil de Nott, ils vous ont tué, pas vrai? Non. Pas encore. Eh ben, ils le feront si vous trouvez ici. Mais je le vois pas bien, j'ai l'impression que j'ai bu. Je suis complètement sonné, ma parole. Il est gentil ou il est méchant, lui? Je m'appelle Ethan. Je veux dire... Ethan, ah oui, 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 Ethan, il était gentil. Dans quel camp êtes-vous? Avec Chappie, je l'ai vu. Vous voulez savoir pourquoi j'essaie pas de vous tuer? Je suis... encore un être. Oh, gardez la voix. Mais vous n'êtes pas avec les autres, hein? Les hérétiques. J'ai rien dit. Go prendre un bon angle de vue dans la maison. Ah oui, c'est vrai qu'on a rien dit avec Chap. J'ai rien dit quand Nott s'est couché sur ma petite Annalie. Attends. Elle a à peine 15 ans. Ce sont des pédophiles. Mais quand il a voulu mon petit fils, le bébé l'a planté dans le... Pourquoi je me suis pris un coup de... Je me suis pris un coup de cactus. Je vais rentrer et tuer l'enfant. Mais comment est-ce possible? L'idée de marcher dessus aussi. Ah, ça y est, je vois à nouveau à peu près correctement. Je lui ai donné une chance de s'enfuir. J'ai baratiné ces crétins. J'ai toujours su quoi dire. Par contre, il bouge plus les lèvres que... Quoi? Ses paroles. Votre fille, elle était... Vous mettez des sous-titres. Je peux faire ça pour vous. Option... afficher les sous-titres. Moi? Des cheveux blonds, coupés courts? Oui. Qu'est-ce que vous savez? Vous l'avez vu? Vous l'avez vu? C'est pour elle que nous sommes venus ici. Est-ce qu'elle va bien? Je vous en prie. Monsieur, dites-moi qu'elle va bien. Elle n'est pas morte? Oh. Bah, c'est pas elle qui s'est suicidée. Elle parlait de sa vie dans l'hélico tout à l'heure. Et comme je n'avais pas les sous-titres, j'ai pas besoin d'écouter. Venez, vous feriez mieux d'entrer. Ah! Attends, mais là! Vous vous êtes vraiment fendu la tête. Ah! Ok. Nice. Ça va aller. Il y a quand même pas un cactus ici, enfin je veux dire. Descendez dans la cave. J'ai un lit en bas. Ok. Vous pouvez vous cacher jusqu'à ce que vous alliez mieux. Ok. Tout va bien. Détendez-vous, je vais vous protéger. Super! Va s'occuper de vous. Je n'en attendais pas moins. Mais là, ça va être le drame. Oh, mon tard. Tu crois qu'il faut que je mette un bandage maintenant? Zanzin du léchoui. Je l'ai copié 100 fois. Si
je savais où était l'étranger. Le prophète n'a pas besoin de toi pour trouver la putain du diable et son débauché. Ne t'interroge déjà d'autres hérétiques à la chapelle. Dieu va le guider. Oh! Lorsque tu as refusé ta fille au prophète, tu as péché depuis pour le nier. Ah, c'est... Non, c'est celle qui met des coups dans les couilles. Le pauvre. Où est l'étranger? Sa semence a engendré notre ennemi. Dieu et le prophète veulent son sang. Laisse-moi parler à Nott, je peux tout t'expliquer. GG, Hank de Vicky Carry. C'est Marchinson, c'est vrai qu'elle a un peu sa voix. Mais elle est plus violente, quoi, hein, tout de suite. Ne bouge pas. Oh, il est empalé. Wesh. Fais pénitence. Dieu t'aime. Dieu t'aime. J'ai cru qu'elle allait mettre un dernier coup. Ah oui. C'est exactement ce qu'elle a fait. Ton du diable. Parti. J'espère que t'as retrouvé ta fille. Ah! Tu vois, elle est morte. Arrachez la planche. Je veux monter. Oh! Il ne lui a rien dit. Oh. Même si... Elle vient à peine de partir, par contre. Elle doit pas être bien loin d'ici. Par où faut que j'aille? Je sais pas si suivre la lumière, c'est un très bon plan. Un amour transperçant. Ah, ouh, une pile! Je peux pas monter sur ce caillou. Eh bien, je vais marcher dans l'eau. Je marche ou je nage? Oh merde! Qu'est-ce que c'est que ça? Faut que je... Elle va pas me voir? Peut-être que j'attends qu'elle finisse son speech. Elle regarde le ciel. Profitons-en. Ah bah elle est partie. Ah, attends. Non. Je crois qu'on est arrivé avec le champ de maïs, avec Chap, là où on a trop galéré. Enfin, Chap a galéré, ce qui fait que moi, ça peut sonner le glas de ma mission. Oh. Merde. Putain d'oiseau!
mortel de merde. Par elle. Je sais plus où faut que j'aille. Oh merde. Chut, cours. Pourquoi tu peux pas courir? Ah, je suis épuisée. Je suis épuisée. Merde. C'est pas par là ? Fuck. Il m'a vu.